on utilise des techniques traditionnelles améliorées. Là, on est dans le projet de reboisement. On a pris des girofles comme le bois à reboiser, puisque les girofles, ça fait apporter de l'argent aux paysans. Comme quoi, on arrive à atteindre l'objectif du projet, la souveraineté alimentaire. Avec de l'argent, on peut travailler, on peut acheter des matériaux pour cultiver du riz. Le programme donc, il propose que l'agroécologie soit le moyen de, à la fois de s'adapter au changement climatique et mais aussi d'atteindre la souveraineté alimentaire. Grâce à l'appui d'Entraide et Fraternité, nous avons réalisé donc une formation pour l'agroécologie. En tout, il y a 65 organisations paysannes, donc ça rassemble à peu près 3000 ménages. C'est la première fois que la CPM fait cette activité des pépinières de géranium. Avec le géranium, on peut avoir des huiles essentielles et ça a une grande valeur. On essaie de donner une capacité aux familles de pouvoir éduquer leurs enfants et de bien manger. Le revolving, c'est si on a obtenu du poulet, on doit, après 7 mois, on doit donner 3 poulets, on va le donner à d'autres membres. La plupart des paysans ne mangent pas même les œufs qu'ils ont eus après la ponte. Et notre objectif, c'est qu'ils mangent bien et ils ont des revenus grâce à ces poules. Et on aimerait aussi que les revenus, ils puissent faire éduquer les enfants parce que maintenant, c'est la période d'entrée des rentrées scolaires. Nous espérons d'ici à la fin de cette année planter au moins par personne qui devait planter au moins 100 pieds de girofle. Au total, les pépinières qu'on a vues tout à l'heure, il y avait 30 000 girofles environ. L'association prévoit de discuter avec les autorités locales du reste du giroflier parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas assez de terre pour planter toutes les girofliers qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pour ça actuellement les membres de l'association ils préparent des plaidoyers avec les autorités locales, avec les maires, les chefs de village, les tangalamen, comme quoi et qu'est-ce qu'on va faire du reste. Et si est-ce qu'on leur donne gratuitement, comment on distribue les restes pour que tous les paysans ou tous les habitants d'Apashmé Manachatan qui aient planté des girofliers dans leur terre. Voilà les girofles prêts à vendre. Ce qu'ils doivent arriver à faire, donc, c'est changer une situation existante pour qu'elle soit en faveur des paysans. Donc, il a fallu former ces participants à faire de la négociation, puisque le plaidoyer, c'est à la base, c'est une négociation. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes, comment planifier un plaidoyer. Comment donc optimiser les atouts que chacun peut avoir au sein de sa zone d'intervention en fonction des réalités. Le programme donc au départ nécessite un engagement, il nécessite aussi une motivation et il est surtout véhiculé par l'idée de l'entraide et de l'unité entre les paysans même. CPM. Ny famaritana izany hoe agroécologie izany. Dia ny atao hoe agroécologie dia famokarana. Nous sommes dans le studio de la radio ADS
C'est une émission intitulée Tatsan Fapsar, ou Partage paysan. Le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est la production par rapport au changement climatique. Dans ma pastorale, j'initie les gens à protéger la nature. Ici, on a mis en place dans notre pastorale d'Antsirabe ce qu'on appelle la triple communion. Communion d'abord avec Dieu parce qu'on est chrétien dans le village. C'est tous les villages qui vivent ça. Communion avec son prochain, avec celui qui est mon voisin et tout ça. Et puis, communion avec la nature qui est la terre qui nous nourrit et qui est vraiment l'épouse de Dieu pour nous aider à vivre, quoi. Être engagé, c'est vraiment vivre cette triple relation. Hein.